Ah, coucou YouTube. Alors, j'ai vu ce truc, j'ai vu Guyo dans mon abonnement PS Plus. Je sais pas du tout de quoi il s'agit. J'ai juste passé didacticiel, pris un deck au pif et du coup je suis arrivé sur ce menu. Deck de départ. Oui, bon, ça à la limite. Ah, j'ai quand même un deck ultra basique de base, ok. Guerrier synchro, évidemment. Psychique, bon. Ah, du coup, il y a des cartes que je connais pas là-dedans. Bayonetteur, le canon fatal. Un monstre passe recto perd 1000 points d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. Putain, c'est génial. Waouh! Violent le zombie. Ah mais c'est un niveau 1 niveau avec 500 d'attaque, ok je comprends mieux. Mon chevalier épée je me souviens. Un monstre non normal et gagne 500 points d'attaque, pas mal. Fragment terrestre, destruction de bouclier, dague imprévu. Dague imprévu c'est quoi? Vous contrôlez votre monstre, un monstre normal niveau 4, ok. Magique terrain. Entre-tour, toujours une 300 d'attaque, 100 de défense. Ah, pas mal le terrain. Très bien même le terrain. Tornade de poussière. Héritier talentueux, c'est quoi ça? Je vais venir cette carte. Ok. Mémoire d'un adversaire. What the fuck? What? Mais elle est pétée cette carte! Hop, hop, je me prends 3000 points de dégâts et puis je te pique ton truc abusé à 3000 points d'attaque. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein, sacrifier un monstre, offrir une carte, détruisez là. J'ai des trucs dans mon coffre ou pas? C'est surtout ça que je veux savoir. Ah oui, mon coffre est à côté là, d'accord. Je suppose que ça va être surtout les cartes qui sont dans mon autre deck, du coup. Même pas, j'ai d'autres trucs quand même. Ah non, ça c'est des cartes que j'ai pas, sans doute. Ouais, donc c'est ça, je pense que les autres cartes, ça va être les cartes qui sont dans mon autre deck. Du coup, je vais regarder l'autre deck. J'ai pris un deck dragon, j'ai hésité entre ça et le deck synchro. Quel dragon, Kaiser Glider, je sais ce qu'il fait. Cette carte attaque a échangé en position de défense, bon. Dommage de perçage, ok. Seigneur des dragons, je me souviens. Dragon Kid Modo, qu'est-ce que c'est ça? Spécialement dragon de notre terrain. Ok. Oh, d'accord, la foutre, ok. Badaboum. Donc c'est une carte qui est censée être utilisée. Oh, fusion. D'accord. Argent trépied, hurlement d'argent. Destruction. Je pense qu'en mélangeant les deux cartes, les deux decks avec les deux types de cartes magiques, je pense que je peux faire un truc fun. Parce que là, en fait, les deux decks ont de très bonnes cartes, je trouve. Mais ce qui serait mieux, ce serait qu'elles soient ensemble, en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais créer un deck. Alors, menu des filtres, non.
Ça, je vais prendre une. Ça fait finalement ce que je fais moins de choses. Là, ça, j'en prends une aussi. Donc, par contre, ça, j'en ai deux, donc ça récupère un cimetière, merci. Le terrain, je le prends toute la vie. Si vous contrôlez aucun monstre, invoquez ce que c'est. Ça, on verra. Un monstre en position de défense, ça, je vais en prendre une. Détruire le compte avec la plus haute défense, ça, j'en prends deux. Alors, les monstres liens, je sais plus comment ça s'invoque, je t'avoue. Je crois que ça s'invoque avec un certain nombre de monstres, deux monstres normaux, trois monstres ou deux monstres ou plus. Et ceux qui ont des effets, ça dépend de comment tu les places. C'est un peu une galère. Un monstre X6 de niveau 4, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque cette carte détruit un monstre au combat, il l'envoie, vous pouvez le partager et puis attaquer une nouvelle fois. Ah, ça c'est bien ça! Allez, let's go! Et le monstre synchro. Oh! C'est bien le monstre synchro aussi. Niveau combien? Niveau 6. Ok, donc faut que je prenne ça en compte quand je prendrai mes monstres. Alors, ce truc là il est trop bien. Ça, je prends. Il est cool. C'est vraiment conseil, je pense. Monstre de défense, je prends. Psychique. Bon, bah, le synchro, évidemment. Attends, du coup, je suis obligé de prendre un monstre du niveau 3. Ça, c'est niveau 2, donc hop, le psychique, il va venir là. Guerrier normal, ça vient là. Cette carte, elle est bien. Cette carte, elle est bien. Cette carte, elle est bien. Monstre dragon, on verra. Ça, je prends. Fusion, du coup, non. Je pense que je vais quand même prendre des... Bon. Ok, donc ça, la fusion, on va l'écouter. Pourquoi j'étais sûr d'en avoir deux, ces trucs-là? Behemoth a deux têtes. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Pendant une phase, si elle a été détruite, il peut l'invoquer, mais son attaque et sa défense deviennent nulles. Bon, ça peut être utile pour une défense de dernier recours. Ça, non. Truc de niveau 6, je prends. Et au final, le kit modo, j'en prendrai, je pense. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça.
Ok, donc je pense qu'on va partir sur ça. On verra bien comment ça va se déplier. Enregistrer. Par contre, comment je fais pour... Bah, tant pis, on va l'appeler Deck. Temps. Un shop, du coup j'ai gagné 1000 trucs en me faisant pas les impacts de structure, passe de duel. Bon, évidemment, il y a plein de trucs que je vais pas acheter, hein, on va pas se mentir. Pack, carte coléoptroupe. Rite de l'Aramécir. Ah, je peux acheter des decks pour 500. Ah. Bon, ça par contre, je m'en bats les couilles, on va pas se mentir. Duel Pass Gold, donc c'est non. Contenu. Ah, je peux voir le contenu, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Dragon, dragon, dragon. Ah oui, d'accord. Petit salon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, donc là, c'est encore plein de dragons. Ah ouais, la vache. Alors, ce sera non. Dragon Irène, héritier cybernétique. Qu'est-ce qui... Oh, les cyberdragons. Bon, ça c'est tout un truc. Je sais pas si j'ai envie de jouer ça. Reich du Cypher. Étranger Cypher, soldat Cypher. Ange de loyauté, dragon galactique. Ça va être un deck lumière, ça. Dragon nébuleuse. What the fuck? D'accord. Ah oui! Qu'est-ce qu'il y a comme carte de magie des pièges? J'avoue que ça m'intéresse plus que les monstres, ça. Je pense pas que je vais acheter des decks. Je crois pas que ce serait magie de l'impendaison. J'ai cru qu'il y avait marqué. Ah, ça, c'est tous les trucs pendus. Je m'en bats les couilles. Contrat d'univers, c'est quoi? Ouais, ça a l'air chiant aussi. Hein. Bon, je pense que je vais m'en tenir à... Voilà, donc. Et sachant que j'en ai 1000, donc je peux en acheter 10. Donc on va dire, je vais en acheter 6 normaux. Ah bah, je peux acheter 1 ou 10. Il n'y a pas de... Ah bah, super. Ah oui, donc là, effectivement, ils vont me mettre toute la liste de ce que je peux trouver dans les boosters. C'est intéressant. Alors, bah tant pis, je vais les acheter un par un. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, les satellites chevaliers. J'aime beaucoup ces monstres-là. Ok, donc j'en rachète un. Voilà. On passe l'ouverture, on s'en bat les couilles. Vous avez trouvé un nouveau pack de cartes. Attends, ça veut dire quoi ça? Oh! Alors le vide infini, je crois que ça va pas trop m'intéresser. Bah tiens, dans 4 vedettes, c'est quoi? Ouais, c'est les infernités surtout. Truc un peu démon, un peu machin. Par contre, l'autre à côté, je crois que je vois des gustos. Et c'est aussi un archétype que j'aime beaucoup. Ah ouais, toute la vie, je prends ça. Bah allez hop.
bonjour. Vous avez trouvé un nouveau paquet de cartes, Vol d'ailes sombres. Je pense que je vais surtout me contenter de... je vais surtout acheter des packs normaux pour l'instant. Tant que mon deck serait pas, peut pas vraiment être spécialisé. N'empêche, je comprends pas trop comment ça marche cette histoire de vous avez trouvé un pack. Genre... Ah oui, j'ai appuyé sur croix et j'appuie sur carré, c'est ça l'erreur que j'ai faite. Un nouveau pack de cartes, monstres multiples. Oh, Dragoire mais de niveau 10. Chercheur millénaire. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Si vous avez plus de 1000 points de dommage, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main. Si bien un monstre dans le cimetière de votre adversaire, il peut choisir un monstre depuis son deck. S'il n'en choisit pas, invoquez spécialement le monstre ciblé sur votre... Oh! C'est pété ça aussi! Bujingi, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que j'ai comme carte magie piège là? Pendule, je m'en fous. Ça c'est un truc avec des vampires, bon. Ça, ça a l'air des trucs avec les niveaux, ouais. Et a priori, je vais... gagner de l'argent comme ça, là, quand je ferai des duels. Je crois que j'ai vu qu'il y avait une espèce de mode histoire. Donc je vais faire ça tout de suite. Plus de 23h, donc ça va, si j'y rejoue demain, c'est bon. Et ça par contre, c'est vraiment de l'arnaque, je sais pas pourquoi quelqu'un achèterait ça. Tu sais quoi, je vais commencer. Donc là, il y a un mode solo, apparemment. Bon, ben, allons voir ça. Histoire cacher les cartes. Prenez jeu avec chaque deck. Ok. Bon. Ah, c'est tous les monarques qui sont à genoux devant quelqu'un d'autre. Dans ce monde, certains êtres incarnaient le concept de destruction. Leur apparence et leur comportement distingués étaient dignes des monarques. Bah tiens, c'est amusant. La raison qui poussait ces monarques à détruire le monde était un mystère. Avec leurs pouvoirs paranormaux, ils détruisaient et réduisaient à néant tout ce qu'ils croisent. Le tonnerre retentit devant eux et les arbres se brisent. Ils font bouillir les montagnes et fendent la terre. Ils invoquent des tempêtes et submergent tout dans son vent de ténèbres. D'ailleurs, ça me fait marrer parce qu'il me semble qu'il y en a un qui est censé être des lumières, justement.
Alors tout à gauche c'est Thestalos le feu. À côté il y a Raisa le vent. Au milieu c'est ça doit être c'est Ereb qui s'appelle le ténèbre. Tout à droite c'est Raisa la foudre. En haut c'est Grammarg le la terre. Donc celui qui est là c'est qui? Ah bah c'est Morbius. Morbius. Ah bah c'est ça, donc le lumière il est pas là. Là. Le monde se noie dans la tourmente et la rage, dévoré par la violence. Et quand il ne reste plus rien à détruire, ils vont ailleurs à la recherche d'autres lieux à détruire. Tous les témoins de cette destruction implacable tremblent de peur. Tel est le sort de quiconque a le malheur de croiser leur chemin, disparaître en un instant. Et parmi les destructeurs de ce monde, un surpasse les autres. Sa puissance d'intimidation écrasante soumet ses pères destructeurs et il possède une force inouïe. Parce que je crois qu'il y a le monarque des ombres et le monarque des ténèbres. Donc je pense que celui qui était, celui qui s'incline, c'est celui des ombres. C'est, je sais plus. Mais je crois que les ténèbres, c'est Ereb. Donc les ombres, ça doit être l'autre. Voilà, Erebus, le monarque souterrain. Repose sur son trône dans les plus noires ténèbres, contemplant la destruction du monde comme s'il n'y avait rien de plus naturel. Mais du coup, la lumière, il arrive après, c'est ça? Deck d'emprunt. Ah oui, je suis obligé, je peux pas jouer avec mon deck, donc. Ça a l'air pète-burne quand même. Hein. Ah, donc c'est Caius, le monarque des ténèbres. Et là, tu vois qu'il y a monarque, le Erebus, c'est celui qui est au-dessus des autres. Ça a l'air chiant, hein. Bah, tant pis, on verra bien, hein. Je vais essayer de jouer ça. Oui, il y a que monarque basé sur les sacrifices, je sais. Waouh, elle est badass la musique, what the fuck. Ok. Par contre, pourquoi j'ai que deux cartes? Ça, c'est un truc que je me demande. Oui. Allez, invoque ton pote. Ah, c'est un didacticiel, donc de toute façon ils disent quoi faire. Je pense que c'est pour ça que j'ai qu'un certain nombre de cartes en main. Allez hop. Il est donc de détruire toutes ces cartes magie et pièges, je crois. Ah non, une seule. Oui, une autre, oui. Ah, je peux en détruire autant que je veux, ok. Par contre, c'est con parce que si tu invoques des jetons, ça change rien en fait que je les détruire en fait. Allez, ça dégage. Ah bah, du coup, c'est tout. Battle. Allez, hop. Ah oui, donc là, je pense que c'est encore les didacticiens pour que j'apprenne à jouer avec les deux côtés. Ok, chelou. Attends, c'est le même deck du coup, oui. Alors, ça, là. Puis votre deck à votre main.
Oh. Ah merde, j'avais l'option mon deck, je viens de l'avoir. Bon bah tant pis, hein. Ok, donc là c'est une. Là c'est un. Ah, par contre, je peux rien jouer, ça c'est chiant. Ok, donc je joue ça pour. Carte monarque, je pioche deux. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tant pis. Ouais, ça pue, hein. Ouais, ça pue, hein. Je pense que je vais perdre là. C'est quoi cette musique? Elle est trop cool! Attends, du coup, c'est quoi l'effet? Bah, il fait 3 ou 6 cartes versus au hasard de votre deck, puis je fais une carte pour toutes les 3 cartes qui ont été bannies. Ok! Allez! Ah, évidemment. Ah, il y a un autre qui est en mode défense. Et la destinée à la carte cachée, d'accord. Oh, mais elle est trop cool cette musique! La vache! Oh! On dirait une musique de boss final ou quoi, alors que je suis un putain de didacticiel! Dans son effet, c'est quoi? Ah non, attends. Okay.
ça, et puis... C'est ça. Oh, bien! Salut, Rémi! Ah, c'était jusqu'à la fin du tour, par contre. Ok. Allez. Ah, deux monstres, oui. Allez. Oula. Ah merde, c'est pour la changer en attaque, c'est con. Tant pis. Ah bah. En fait, des monarques, c'est quoi? C'est un monstre fait par la... Oh, c'est bon, c'est bien ça aussi. C'est ça aussi. D'entraînement, hein. Waouh. Objectif, c'est quoi? Ah, du coup, je me demande. Là, je peux prendre mon deck.
sélectionner le deck. Voilà. Donc, bah, je vais essayer avec ce deck-là maintenant. Allez, let's go. Ah oui, d'accord. Tu parles d'une première main de merde. Hop. Putain, mais faut que je la télécharge, cette musique, elle est trop bien. Bon, t'invoques quoi? Ça pour ça. Ah, par contre, là, je vais bien. Donc, je détruis ton dragon. Et je vais prendre ton tricky. Ah merde, quel enfoiré! J'ai fait ça pour mon dragon, bah oui, forcément. Oh putain, il y en avait un autre, quelle horreur. Bon. Ça n'empêche cette carte pétée quoi, vas-y attaque-moi directement et après je prends ton monstre. Elle est incroyable cette carte. Objectif. Ok. Donc c'est quoi? Ah oui, c'est la continuation du mode histoire. L'avancée des monarques qui incarne le concept de construction. De construction bien sûr. De destruction se poursuit. Combien de mondes ont-ils détruit? Orages, bizarres, laves et séismes. Toutes sortes de menaces destructrices s'abattent sur le monde. J'avoue, le concept des monarques, il est ultra classe.
Au fil de la réavancée, les monarques gagnent en puissance, repoussant sans cesse les limites de la destruction. Le pouvoir profane toute la matière sans distinction, il n'existe ni moyen de savoir si les monarques sont conscients ou non de ce qu'ils détruisent. Ils avancent et anéantissent tout ce qui se trouve sur leur chemin, peu importe l'endroit. Cependant, dans des terrains en ruine, des cieux est descendu un créateur, Éther, le monarque céleste. Un sauveur est descendu comme par miracle sur une terre s'apprêtant à être détruite. Ce créateur fait-il partie du monarque, nul ne le sait. Là où le créateur atterrit, le sol s'est mis peu à peu à revivre. Sans doute un jour viendra où ces terres, régénérées par le créateur, seront détruites à nouveau. Néanmoins, sans recevoir de récompense, Éther, le monarque céleste, remplit ce monde dévasté de la lumière de la Renaissance. Ah d'accord, donc lui, il est arrivé après, ok. Deck de structure, émergence des monarques. Trop cool! Et au magasin, ben non. Ah, il faut que j'utilise des orbes. Tu parles d'une arnaque. Ah putain, il y a plein de petits modes histoire. Ça a l'air trop cool, en vrai. Franchement. Non mais on s'en fout de ça, je viens de le faire. D'accord. Ok, donc c'est ça leur mode histoire. Bah franchement, ça promet, je trouve. Du coup, émergence des monarques. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Alors, j'aurais bien aimé récupérer le deck que j'avais pendant mon deck de... mon deck de... Comment on appelle ça? Mon deck d'emprunt, ça aurait été trop cool. Ouais. Zaborg, Modius, Testalos, Granmar, Graiza et... Caius. Fissure, spiritisme, double invoque, carte. Attends, carte en invoque. Ah, Advance Card, ok. Des fois j'ai les noms en anglais et pas en français, c'est un truc de ouf. Ok. Max niveau 2 du deck. Avancée des ténèbres. celui avec un monstre. D'accord. Pas ouf l'émergence des monarques. Cela dit, je vais totalement prendre un monarque à la place de certaines cartes que j'ai là-dedans, par exemple. Là, par exemple, mes deux monstres de niveau 6, là. Je vais carrément prendre un monarque à la place. Hein. Voyons. Détruire deux cartes magie et piège, je prends. Défausser la main, je m'en fous. Carte posée, carte sur le terrain au-dessus du deck. Ça peut être fun aussi. Passe-mi, c'est là, et 1000 points. Et l'autre, c'est... Ah voilà, au-dessus du deck, c'est cool. Je prends ces deux-là. Enregistré. Ok, bah tu sais quoi? Je pense que là... Il me reste combien de temps dans la vidéo là? 10 minutes, un quart d'heure? Non mais je m'en fous de ça, je me suis trompé, je voulais aller dans le mode solo encore. Bon, l'entraînement, je m'en fous.
Bah tu sais quoi, du coup je vais faire ça. Allez hop. Vas-y, raconte-moi une histoire. Le monde est constitué de six éléments, terre, eau, feu, vent, lumière, ténèbres, ça je le sais, acclamé par les seigneurs élémentaires. Est-ce que je les connais eux? Je suis pas sûr. Le monde est en paix tant que les six éléments sont en harmonie. Cependant, lorsque cet équilibre est rompu, les élémentaires apparaissent, ok. Forme physique augmentée, densité au point d'être vue par les humains, cause un... Attends. Dont les formes physiques ont augmenté en densité au point d'être vues par les humains cause un désastre. Je comprends pas du tout cette phrase. Les seigneurs élémentaires sont apparus à plusieurs reprises au cours des catastrophes naturelles à travers le monde. Les anciens ont bâti des temples pour calmer ces catastrophes naturelles récurrentes. Les gens priaient en permanence, mais les seigneurs élémentaires n'étaient pas en mesure de répondre à ces prières. Néanmoins, les prières désespérées des gens ont reçu une réponse miraculeuse des siècles plus tard. Un autre pouvoir, sans rapport avec les seigneurs élémentaires, les avait peut-être pris en pitié. Oh! Les seigneurs élémentaires ont choisi une poignée d'humains. Ah! Ils sont cool. Les éléments sabres. Ils étaient au service des seigneurs élémentaires et maintenaient l'ordre des éléments. Ok! Les éléments sabres, seigneurs élémentaires. Bon. Bah du coup j'ai gagné une carte, je sais pas ce que c'est, je checkerai plus tard. Bon là je suis obligé de prendre le deck d'emprunt, ok. Ah oui, donc là je suis obligé de faire un certain truc, ok. Donc là c'est quoi? C'est oui, c'est un terrain, d'accord. Pour l'instant, je suis bêtement fini, genre... Ah oui! D'accord. Donc, comment je fais, par contre? Ah, activation d'effet. Je vais la mettre en feu, tiens. Je crois pas que ça change quelque chose. Pour l'instant, je fais bêtement ce qu'on dit. Je pense que je devrais étudier un peu plus profondément que ça pour le prochain duel.
Ah, mais j'ai gagné des orbes de ténèbres, ça c'est cool, ça veut dire que je pourrais faire la suite de l'autre truc de tout à l'heure là. Bah, tu sais quoi? Allez hop, on va commencer avec le deck d'emprunt. Et je vais continuer à jouer tout de suite, et puis je vais faire ça tout. Je vais continuer, je vais faire un deuxième épisode tout de suite. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, vous pouvez envoyer un monstre élément sabre de votre main au cimetière. Puis cibler un rogue dans le cimetière, d'accord. C'est un peu un. Celle-là, elle est un peu comme Lumina des Seigneurs Lumière. Ça, c'est quoi? Ah, Windrose, il me dit un truc, lui. 5 monstres vents dans votre cimetière. Détruisez toutes les cartes magie ou piège. Ok. Ok, cool. Ça, c'est quoi? Ça, c'est marrant. Bah, du coup, hop, j'invoque toi. Et. Attends, je peux faire un truc avec le terrain. Et ok, donc un élément sabre, c'était la battle phase. C'est un élément sabre dans votre main sur le terrain, va envoyer une ou plusieurs cartes de la main au cimetière pour activer un effet. Oh, d'accord. Ok, ça marche. Qu'est-ce que je peux ajouter? Il y a l'air d'avoir beaucoup de choix. Hein. Je pense que je vais prendre le truc avec des missions de défense. Ok, on est bon. Putain, merde, quelle salope! Alors! Pôle d'extravagance. C'est quoi ce genre? Hein. Et je termine mon tour. Là, c'est pas la peine. Bon, j'étais mort. Alors. Merde, attends, j'ai fait quoi? Ah, par contre, comme dans l'autre, par contre, je peux pas activer mes. Je peux pas annuler l'activation d'un effet. Ça, c'est méga chiant. Ça, je vais prendre 2 au pif. Allez, hop. Mais je vais le laisser en défense, on sait jamais. Alors, machin truc mana là. Allez hop, ça dégage. Guerrier réincarné. Oh, c'est quoi, let's go? Non, tu vas pas réincarner ton guerrier, monsieur. Oh putain, ton effet, ça gagne quand même, quel délire. Hop, encore ça, je vais pas l'activer cette fois.
Donc il y a 800, ça veut dire qu'il y a 4 attributs différents dans ma... dans mon... D'accord. Je sais pourquoi t'as voté ça en mode attaque, mais bon. Trêve solide, attends, c'est quoi? Ah, c'est encore un truc normal, donc c'est pas la peine. Je comprends pas trop ce que je fais, mais c'est totalement... mais ça me va totalement. Allez. Bon, avec un peu de chance, je vais pouvoir finir le duel là maintenant. Attends, avec ça, c'est quoi? Oui, forcément. Là, par contre, ça va marcher. C'est une carte permanente, donc je vais la détruire. Voilà. Voilà, donc, comme promis, je reviens tout de suite.